Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier, on est bientôt 2500 sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît et je vous laisse avec Yves pour la suite de la vidéo. Merci professeur. Commençons. La campanule, également connue sous le nom de campanule des murs, appartient à la famille des campanulacées. Son nom latin est campanula. Les campanules sont couramment utilisées dans les jardins pour leur beauté et leur facilité d'entretien. Elles peuvent également être utilisées en médecine alternative pour traiter certains problèmes de santé, tels que l'anxiété, les troubles du sommeil et les infections respiratoires. La campanule fleurit généralement en été, produisant des fleurs en forme de cloche dans une variété de couleurs, y compris le bleu, le violet, le rose et le blanc. Certaines variétés de campanules peuvent fleurir à d'autres moments de l'année. Les campanules sont des plantes faciles à entretenir et à cultiver. Elles préfèrent les sols bien drainés et un emplacement ensoleillé ou partiellement ombragé. Il est important de les arroser régulièrement, surtout pendant les périodes de sécheresse. Les campanules peuvent être taillées après la floraison pour encourager une deuxième floraison ou pour maintenir leur forme. La campanule est originaire d'Europe et d'Asie, où elle pousse dans les prairies, les bois et les régions montagneuses. Elle a été cultivée pour la première fois dans les jardins en Angleterre au XVIe siècle. Depuis lors, de nombreuses variétés de campanules ont été développées et sont devenues populaires dans les jardins du monde entier. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous demain à 14h pour une nouvelle vidéo. À demain.